Coucou, comment tu vas? Tu croyais que j'allais t'oublier aujourd'hui? Non, alors, je viens de rentrer de Paris, il est 20h40. Bon, j'avoue, j'ai failli me défiler. J'ai failli pas faire de vidéo. Mais en fait, j'ai un truc trop important. En fait, je voulais te demander. Est-ce que tu crois à tes rêves? Je t'explique. En fait, aujourd'hui, j'ai passé la journée à Paris, c'était génial. Et donc, j'ai travaillé pour un artiste sur un projet de fou. Bon, je peux pas trop en dire pour l'instant. C'était trop bien. Il m'a dit, tu te rends compte, Marie? Ça fait 10 ans que j'ai ce rêve-là. Et là, j'ai eu le déclic. Mais pendant 10 ans, il n'a pas rien fait. Il a vraiment. Enfin, il a fait beaucoup d'actions pour que son rêve se réalise. Tu vois un peu le truc? Et donc là, ça m'est venu l'histoire. Je me suis dit, mais je vais te demander, est-ce que toi tu crois à tes rêves? Parce qu'en fait, si tu crois à tes rêves, tu vas mettre des choses en place et tes rêves vont se réaliser, c'est logique. Par exemple, je rêve d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire. Bon, je galère à écrire mon livre. Hein. Je galère, mais. Je mets des choses en place, je place des actions et il m'arrive des super cadeaux de ouf, trop bien. Et donc mon livre va sortir, je sais pas quand, cette année, mais il va sortir. Donc voilà, est-ce que toi tu crois en tes rêves? Parce que souvent on entend, oh moi je rêverais de ça. Oh, mais tu te rends compte, c'est pas possible quoi. Oh, je rêverais, mais bon. Ah, mais tu vois, les autres ils y arrivent et puis pas moi quoi. Sinon des rêves tout con, genre c'est pas du tout mon rêve à moi, hein. Des gens qui rêvent de gagner au loto, tu vois. Oh, je rêverais de gagner au loto. Donc bon, pourquoi pas? C'est pas mon rêve à moi, mais pourquoi pas? Et tu dis, ah ouais, non, super, donc tu joues tous les jours? Ah bah non, je joue jamais. Ah ok, alors tu rêves de gagner au loto, mais tu joues jamais. Ok, un peu bizarre, mais pourquoi pas? Oh, je rêverais de... D'écrire un livre, voilà, c'est le sujet du jour. Du coup, bah, tu écris tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Oh bah non, je suis pas capable. Je peux pas écrire, hein. Je suis pas écrivain, moi, de toute façon. Tu comprends? Oh, j'aimerais bien quitter mon travail. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en peux plus. Ah ouais, donc du coup, t'as envie de faire quoi? T'as envie de changer de boulot? Tu recherches? Bah non, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Oh, je rêverais de partir au Japon. Ah, oh, c'est génial, tu rêverais de partir au Japon. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te renseignes sur la culture du Japon? Ah non, mais tu comprends, c'est loin. Oh, puis ça doit coûter cher. Je vais pas avoir d'argent pour partir au Japon. C'est pas possible. Ah, ok. Oh, je rêverais de savoir dessiner. Oh, mais je suis nulle, je sais pas dessiner. Ah, super, tu prends des cours de dessin? Ah non, mais je suis trop nulle, hein, j'y arriverai jamais. Hein. Bon, je vais pas te faire tous les scénarios, mais tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, demain, je vais à mon cours de dessin, parce que je rêvais de savoir dessiner. Donc maintenant, je prends des cours de dessin. Donc voilà, ça c'est la question pour ce soir. Est-ce que tu crois en tes rêves? J'aimerais bien que tu répondes, ça serait super. Sur ce, je te laisse méditer sur la question et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!